Le passage du typhon Goni a laissé des traces aux eaux d'Oussourisk dans l'extrême-orient russe. Une ourse est morte noyée, prisonnière de sa cage. Heureusement, des dizaines d'autres animaux ont, eux, pu être secourus. Au total, les sauveteurs ont évacué une quarantaine d'animaux du zoo, dont 10 ours, un lion et 3 loups. Les cages des animaux ont été héliportées hors des zones inondables avec l'aide de plongeurs. Mais avant d'être secourus, certains animaux sont restés prisonniers de leur enclos pendant plusieurs jours, des bénévoles leur apportant de la nourriture en bateau. L'extrême-orient russe a été frappé d'inondations après des pluies torrentielles provoquées par le passage du puissant typhon Goni, qui a également touché le Japon et la Corée du Nord.